poteaux, c'est Shane Glacier encore et toujours sur Division 2. Voilà, on est sur un build régénération de protection. Mon build de régénération de protection avec lequel je joue ces temps-ci. Donc je vous le présente. Hein. Voilà, moi je le joue avec le fusil à pompe, le Scorpio. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis deux pièces Golan. Alors, pour avoir effet d'état pour le fusil à pompe et régénération de protection. Ce build est basé sur la régénération de protection. Alors, sur ces deux pièces-là, bien sûr, on a effet d'état, régénération de protection. On a mis comme attribut de la régénération de protection. Un mode de 13% de protection contre les ennemis d'élite. Compliqué à avoir. À avoir, je vous garantis. Alors, on a ces deux pièces. Le gilet. Voilà. Alors, le gilet, on va chercher le talent intimidation parfaite. Voilà. Alors, c'est bien sûr, c'est un build pour rusher, hein, pour aller au contact. Donc, il faut ce qu'il faut. Celui-là, il fait le boulot, le talent là. Quand vous disposez d'une protection bonus, forcément, on l'a et on va l'avoir sur le sac en plus. Vous gagnez un effet de chaque seconde jusqu'à un max de 8. Chaque effet cumulé augmente les dégâts d'armes de 5%. Ah, c'est pas énorme, hein. Mais bon, c'est toujours ça de prix. C'est pour ça que j'ai mis le holster. Le holster qu'on connaît, que je trouve pour ma part, qui est vraiment bien dans le jeu. Parce que celui-là, on peut le mettre avec tout ce qui n'est pas DPS. Et ça fait marcher un peu plus les builds un peu plus puissants, on va dire. Voilà, ça les fait taper avec les armes un peu plus fort. Donc c'est vraiment bien cette pièce, il y en avait vraiment besoin dans le jeu. Alors, dégâts d'armes, bien sûr. Récup de compétences. C'est pas ce qu'on veut voilà, sur ce build-là, mais c'est pas grave. On va chercher les 15% de dégâts d'armes. Régénération de protection et protection. Récupération, ça récupérera toujours un petit peu pour le bouclier ou la ruche, mais c'est pas le top du top. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous pensez que j'aurais dû peut-être mettre une autre pièce à la place de celle-ci pour que ça soit un peu plus, mon build soit un peu plus performant, je suis à l'écoute. Après, j'ai mis deux pièces non nommées. Voilà. Avec de la protection, la régénération, 12% de protection contre les ennemis d'élite. Alors, les modes, ils sont, voilà, je les ai mis pratiquement sur toutes les pièces, à part le holster, bien sûr, je peux pas. Mais j'ai mis de la protection contre les ennemis d'élite. Voilà, sur toutes les pièces. Alors, régénération, bien sûr, sur toutes les pièces. Hein. Voilà, c'est un build de régénération de protection. Alors là, j'ai mis de la proba, hein, vous voyez, proba, proba, proba. Là, j'ai encore de la proba sur le masque. Et c'est dommage, j'ai pas réussi à en avoir sur le sac. J'aurais préféré de la proba. Je vais vous faire voir ça, les stats après. Voilà, alors poussée d'adrénaline. Alors bien sûr, c'est un build pour aller au contact. Et je pense que celui-là, poussée d'adrénaline, c'est franchement, c'est le top du top. Quand vous allez vous rapprocher, vous allez avoir de la protection. Donc, c'est vraiment bien. Alors, en deuxième arme, j'ai mis celle-ci pour pouvoir essayer de taper un peu plus fort une fois que vous avez mis un effet d'état avec le fusil à pompe, électrocuté, etc. Je peux taper avec celle-ci. Voilà. Avec ce talent. Toucher un ennemi, confère 15% de dégâts d'armes. Compétences pendant 5 secondes, etc., etc. Il marche plutôt bien, hein, le talent synchro, hein, toujours. Alors, on va regarder les stats. Hop là. Alors, vous voyez la proba, je monte quand même à 43,5%.
Et 67% de dégâts de coups critiques. Bon, c'est pas un build pour ça, hein. Mais il faut quand même en avoir le maximum pour... voilà, pour quand même les coucher. Parce que c'est un build, vous pouvez faire du solo, en coop. Vous pouvez jouer voilà, comme vous voulez avec ce build-là, c'est le top du top. Moi, je m'en sers pas mal en solo, mais... en coop, c'est nickel. Il est vraiment impeccable. N'oubliez pas la spécialisation, voilà. Le lance-flamme pour avoir de la protection. Puis en même temps, c'est pas mal aussi de les cramer vu que vous êtes tout en régénération, en protection. Là, vous allez dans le tas quand il y a trop de mobs, vous sortez le lance-flamme et vous les cramez tous. Ça va aider les autres. C'est vraiment impeccable. Voilà les amis pour ce build là. Et puis ben je vais vous faire voir ça. Allez, c'est parti. Let's go. Allez, on est parti sur une légendaire. La quotidienne. Pour vous faire voir ce build là. Voilà, pour aller chercher la cache exo. Alors, en espérant que... espérant que je trouve d'autres joueurs. Une invitation à rejoindre le groupe d'un autre agent. Vous connaissez votre objectif. Ne laissez personne s'y opposer. Ouais, moi je cherche, préfère. Parce que des fois, si je me TP sur d'autres, je sais pas où ils en sont. Invitation à rejoindre le groupe d'un autre agent reçu. Bon allez, on va se taper dessus, on va bien voir. J'espère qu'ils seront au début parce que j'ai pas envie d'arriver à la fin. Si je veux vous faire voir ce build. Des civils ont besoin d'aide. Oulalala, il y a du petit joueur, il y a du petit joueur ce soir les amis. Ouh, qu'est-ce que je fais là? Je me suis trompé. Allez. Je voulais voir leur build. Je sais pas ce que je fais. Hop là. Un autre agent a rejoint votre groupe. Ouais, si, c'est pas mal. Celui-là, il est pas mal. APM, ça va mouliner un peu, mais il est pas mal. Il est bien monté. Un striker. Ouh, il y a du DPS, hein. Il y a du DPS. Je sais pas pourquoi j'ai le sac en violet, moi. C'est la meilleure, tiens. Pourquoi j'ai le sac en violet, moi? Allez, let's go, c'est parti, vous les amis. Votre objectif. Ne laissez personne s'y opposer. Péter le bouclier, c'est là qu'on peut tomber. Voilà. C'est là que je vais tomber tout de suite. Si j'ai plus de bouclier, je tombe. Mais je crois que là, avec cette équipe, ça va être compliqué, hein, franchement, parce que je peux pas aller jouer devant. Il n'y a pas de médecin. Ah, je vais essayer quand même. Allez, je vais mettre là.
Ben, c'est vrai que ces bulles de là avec la régénération de protection, pour ma part, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la régénération, il faudrait qu'il la monte un peu plus quand même. Ce qui est vraiment bien, vous voyez, c'est que dès que vous mettez le bouclier, vous voyez la zone. Donc si les mobs rentrent dans cette zone-là, vous activez le talent du gilet. Voilà. Le talent qui est sur le gilet. Voilà, celui-là. Beaucoup de boucliers. Hop là. Là, je vais tomber. Voilà. Aïe, 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 je galère. Hein. Ce soir, je vous présente un build, mais je galère moi-même. Oh là là. Faut dire que j'ai tellement l'habitude de jouer en DPS que... Ça peut être costaud aussi, ils ont deux ruches par terre là pour se soigner. On manque de DPS hein, je trouve. C'est bizarre parce qu'il y a quand même du DPS dans le groupe et... J'ai l'impression qu'on tape pas fort. De toute façon à l'APM, si l'autre il est resté à l'APM, je pense qu'il va servir à rien parce que l'APM de loin, elle va pas piquer. Une PM, il faut aller au contact. Allez, pop, 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 pop. On va aller sur lui. T'as raison, tape dans le bouclier, vas-y.
J'ai vu qu'il y en avait qui ils ont monté ce build là que j'ai monté un peu différemment de moi. Ils l'ont mis tout en proba, dégâts de coups critiques, ils ont pas mis de régénération. Mais bon, je trouve que pour faire de voilà la légendaire en héroïque, oui, c'est impeccable, mais du légendaire, c'est un peu compliqué. Quelqu'un qui en même sans régénération, allez, c'est la galère ce soir. On galère, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Aïe. Assistance médicale immédiate nécessaire. Je suis allé dans le coin, j'aurais peut-être pas dû. Ah, j'ai eu chaud là quand même, je prends un peu de risques. Un peu des risques pour rien. Ah mais c'est un build fait pour aller voilà, dedans en contact. C'est dommage qu'il n'y a pas un autre gars avec moi pour aller dedans. Ce serait vraiment sympa. Là vous prenez deux stuff comme le mien avec un médecin et un DPS. Et je vous garantis vous pouvez aller au milieu là. Il pose sa ruche, vous allez au milieu et vous régalez. Vous faites de la bagarre, du contact. Parce que là, quand vous êtes solo comme ça, aller au contact, c'est pas... Beaucoup de gens galèrent, quoi. Hein. Quand vous êtes tout seul en coop comme ça, qu'est-ce que vous voulez aller vous battre tout seul, surtout en légendaire. Alors oui, je vais un petit peu devant, je vais pour les gêner, pour mes coéquipiers, mais c'est pas le top. Enfin, c'est un build quand même, vous régalerez plus en héroïque pour ceux qui font du solo. Alors on va le relever. On laisse personne à terre. Allez hop.
pas où elle est là-bas. De là. Agent à terre. J'ai touché la cible. Alors, ah, nous avons des genouillères. Des genouillères. On va quand même les prendre, on sait jamais. Alors, c'est comment il s'appelle lui déjà? Je crois que c'est lui qui tombe beaucoup. Ouais, la PM. La PM, parce que lui, il faut qu'il court pour ramasser de la protection. Et en plus, ouais, non, là en légendaire, on va galérer. Les gros, par contre, on les torche facilement. Ouais, je pense que ça va le faire. On va réussir à passer. Vous voyez, même que ça soit une petite équipe, c'est pas une grosse grosse équipe. C'est. Ça passe, hein. Il suffit de savoir bien se placer. Il y en a derrière ou quoi? Allez, j'arrivais pas à le relever. Oh là là, il y en a deux qui sont à terre. Ah, elle va me péter le bouclier, hein, l'enfoiré. Ouais, ça a abusé, quoi. Ils ont trop de soins. Trop de soins. Ils ont déjà de la protection, là, et... Caisse de soins. Hein. Pas le temps. On a eu un petit peu chaud là quand même. Hein. Faire attention. Il y en avait deux qui étaient à terre.
Après, ça devient compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les laisse venir? Je vais mettre là. Cache-toi! Elle m'a pété direct là. Tombé lui encore. Je croyais qu'il était tombé moi. Ah, j'ai quand même failli tomber là encore, c'était limite. Allez, on va s'électrocuter, voilà. Ah, il y en a encore un. Après c'est sûr, je vois il y a beaucoup de monde qui essaye de faire des builds en copiant les autres et tout. On fait tous ça, mais moi je pense que c'est bien pour apprendre, mais il faut vraiment faire un build pour soi-même, pour sa façon de jouer, si vous voulez vraiment prendre du plaisir et puis jouer à trouver vraiment votre façon de jouer, quoi, parce qu'il y a tellement de pièces, de variants. Oh l'enfoiré, il m'envoie une patate, quoi.
Allez. Allez. C'est un petit violet qui me gêne là. Impeccable. Et j'ai eu une petite frayeur quand même là-bas au milieu. J'ai dit là j'avais plus de bouclier. J'ai dit est-ce que ma régénération elle va tenir? Ça a tenu. Faut bouger. Faut essayer de prendre le moins de dégâts possible. Donc des fois quand vous vous collez au mob... Vous les contournez, vous allez dans leur dos, ils ont du mal à vous tirer dessus si vous êtes vraiment collé. Vous prenez moins de dégâts en fait que si vous êtes à mi-distance. Allez, moi je vais aller me placer. Je vais me placer sur le côté là-bas. Les drones, ça y va. Ouais, je l'ai eu. Allez, drones. Oh, c'est eux qui vont me faire tomber, les drones. C'est un truc de fou. Sérieusement. Ah, j'arrête pas de le dire, mais moi, c'est le truc que je déteste le plus dans le jeu chez Ubi. Mettre des drones de vraiment de partout dans tous les jeux. Il y a des drones. Alors c'est vrai que j'aime bien jouer avec, mais pour ma part, je trouve qu'il y en a vraiment trop. Je préfère encore les qui me balancent des grenades ou des roquettes. Elle est où cette caisse? Ah, elle est là. Ah ouais, ils vont péter, ils vont arriver à me péter. C'est un truc de fou. Allez. Ah, je fais que dalle comme dégâts. Hein.
Allez. C'est parti. Let's go. Système limité. Voilà, ils ont compris qu'il fallait au contact. C'est dommage, à la fin. Parce que si on était ensemble, on reste groupé et on va au contact. Je pense qu'on va beaucoup plus vite. On les tombe beaucoup plus rapidement. On bouge quoi ? Il faut bouger comme un essaim. Thank you.
Qu'est-ce qu'on peut lui mettre cher là? Et voilà les amis. Et un petit exo en plus. Eh ben c'est bien, on a eu deux exos dans la mission. La cache plus une qui est tombée. Ou un, je sais pas comment on dit, oui, un. Un qui est tombé. Voilà, la bigorne. Voilà les amis, pour ce build là. Voilà, si vous aimez vraiment la régénération de protection, aller au contact. Franchement, il est vraiment pas mal. Il tape un peu plus fort, moi, je trouve, avec le holster. Voilà. Pour ma part. Regardez, il est à 744,7K. C'est pas mal, hein. Pour le fusil à pompe, franchement, c'est super, même. C'est... Je crois qu'on peut pas monter plus haut. Hein. Surtout pour un build de régénération de protection. Alors, on va regarder les stats pour voir, juste pour voir. 48, oh, ça se tient, hein. Tout le monde se tient apparemment. Ah, je suis le plus bas quand même. Hein. Forcément, c'est moi qui ai le plus en protection. Voilà, électrocuté, c'est ce qu'il faut voir. Moi, je les ai gênés avec le fusil à pompe et je suis allé au contact. C'est ça qu'il faut regarder. Les ennemis brûlés, ennemis électrocutés. Voilà les amis, pour ce build là, je vous dis à peluche.